Welcome tout le monde, c'est NovaXictor et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série sur ma chaîne, donc une nouvelle série que j'ai intitulée Le Moment Histoire. Donc c'est une série où je vais mettre des gameplays en fond et je vais vous parler comme ça en facecam peut-être des fois, mais la plupart du temps ce sera pas en facecam et peut-être aussi des fois en duo, mais ça on verra plus tard. Enfin bref, donc une série où je vais parler de moments historiques assez importants qui concernent la France ou le monde, enfin des moments historiques assez importants. Donc voilà, me dites pas que je plagie parce que cette série n'a pas encore été faite. Et sachant que j'aime assez l'histoire, ça fait longtemps que je pense la faire cette série. Donc voilà, j'espère que cette série vous plaira. Évidemment, je compte l'envoyer à des chaînes communautaires en espérant qu'ils m'acceptent. Qui sont, je pense, la Play Geek TV, Le Bon Plan du Geek, la FRCC, le Star Play Code, la Play Community Club, Code QG, Code CF. Bref, la plupart des chaînes communautaires Call of Duty qui existent. Voilà. Le gameplay de fond, je sais pas trop ce que ça sera sûrement des partie avec d'assez gros ratios, des plus de 40 de ratios, ce genre de choses. Je pense que la première partie sera sûrement un 61-0 sur Newton. Et la deuxième peut-être un 43-1 sur Overflow, les deux gameplays en domination. Et les deux gameplays à la haine. Donc voilà, bon ça c'était pour parler des gameplays, je pense que ce sera ça, si c'est pas ça, tant pis, mais ce sera du BO2 ou du BO1 de toute façon. Donc voilà. On va donc commencer pour ce premier épisode qui s'intitule La bataille de Verdun, donc la bataille de Verdun que vous connaissez tous, que vous avez appris en histoire, et je vais donc vous en parler plus simplement dans cette vidéo. Donc comment se déroulent les vidéos, en fait, je vais vous lire les notes que j'ai prises, qui sont quelques-unes du copier-coller Wikipédia, et j'explique après ce que j'ai dit, tout simplement, dans ma lecture, pour que ce soit plus compréhensif, et évidemment je rajoute des détails. Je n'ai pas trop le choix de faire comme ça, je peux pas vous... C'est soit je lis un texte et j'explique rien, soit je lis et j'explique un peu, donc bon. J'essaie de faire au mieux, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. Donc, la bataille de Verdun, il faut savoir qu'elle se déroule du 21 février au 19 décembre 1916. Elle oppose l'Allemagne et la France durant la guerre de 14-18, ça vous le savez tous. Elle se déroule à Verdun en France dans le département de la Meuse. Donc le département de la Meuse qui est voisin du mien, vu que j'habite en Meurthe-et-Moselle, qui se trouve en Lorraine, qui se trouve dans le nord-est de la France. Donc si vous voyez pas trop où c'est pas loin de l'Allemagne. Donc oui, bon, c'est un petit peu logique. Mais voilà. Donc cette bataille, donc, l'objectif pour les Allemands, c'était de saigner à blanc l'armée française sous un déluge de buts. Donc ça, c'est une citation, saigner à blanc l'armée française, une citation d'un général allemand. Donc l'objectif, c'est de saigner à blanc l'armée française sous un déluge de buts. Elle se révélera en fait presque aussi coûteuse en pertes humaines pour l'attaquant. Donc en gros, l'objectif des Allemands, c'était tout simplement, en disant saigner à blanc l'armée française sous un déluge de buts, c'était tout simplement d'envoyer un maximum de buts pour faire un maximum de dégâts matériels et humains. Malheureusement, c'est la vérité. Comme ça, après, ils envoyaient plein d'hommes. Et vu qu'ils pensaient qu'il n'y aurait plus beaucoup de résistants, de survivants, et que tout sera en ruine, ils n'auraient pas eu beaucoup de résistants, donc ils auraient pu facilement prendre l'avantage et remporter la bataille de Verdun. Mais cette bataille se révèle aussi coûteuse en pertes matérielles et humaines pour l'attaquant que pour les défenseurs qui sont la France. Donc c'est quand même une assez grosse ironie, surtout sachant tous les moyens qu'ont engagés les Allemands pour faire cette bataille, mais on y reviendra plus tard. Donc, c'est la plus longue et l'une des batailles les plus dévastatrices de la Première Guerre mondiale et de l'histoire de la guerre. Donc, bon, ça ne vous apprend pas grand-chose. Alors, ça c'est important, l'artillerie cause 80% des pertes. Le rôle des hommes, il consiste surtout à survivre dans les pires conditions sur un terrain transformé en enfer, tout cela pour un résultat militaire nul. Donc, l'artillerie cause 80% des pertes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est 80%. 8 personnes sur 10, 80 personnes sur 100, 800 personnes sur 1000, enfin bref. 80% des gens tués sont tués par l'artillerie. C'est quand même énorme. Ce qui veut dire que à la 14-18, tout le monde connaît 14-18. C'est plus les gardes tranchées, les gens qui tirent dessus avec des mitrailleuses, etc. Et ben là, 80% des gens tués, c'est par des obus. C'est quand même énorme. Et donc, le rôle des hommes, c'est une guerre d'opposition. C'est-à-dire que les gens ne bougent pas vraiment. Ils restent dans leur position chacun et de temps en temps tentent quelques assauts. Les hommes, ils restent, ils survivent, ils sous une pluie de buts, tout simplement. Comme on sait dans les gardes tranchées. Tout cela pour un résultat militaire nul, c'est-à-dire que, en fait, les Allemands ont un peu avancé dans le début de la guerre, enfin de la bataille plutôt, mais qu'ensuite ils ont reculé et que les Français ont récupéré le même terrain, ce qui a servi complètement à rien, mais on y reviendra aussi plus tard. Donc cette bataille constitue pas moins une grande victoire défensive de l'armée française. Elle est jugée par les Allemands comme de même nature qu'à la victoire de l'armée rouge dans la bataille de Stalingrad. Donc tout le monde, je pense, connaît la bataille de Stalingrad, qui est une très grande bataille remportée par les Russes contre les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les Allemands jugent la bataille de Verdun à la même hauteur, au même niveau que la bataille de Stalingrad, qui est quand même la bataille, je pense, la plus importante de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quand même que les Allemands sont pris une sacrée rouste, autant dire ça comme ça, et que évidemment ils jugent cette bataille très importante dans le conflit, et que
Disons qu'ils ont un assez gros respect sur cette bataille. Donc, du 4 au 20 septembre, l'armée russe est engagée dans l'offensive Broussivol, la plus grande offensive sur le front de l'Est de l'armée russe de toute la guerre, qui contraindra l'état-major allemand à retirer des divisions sur le front de l'Ouest pour les envoyer à l'Est, ce qui contribuera à alléger une partie de la pression allemande sur Verdun. Donc, tout simplement, du 4 au 20 septembre, bah, l'armée russe pardon, sera donc engagée dans une offensive qui s'appelle l'offensive Broussilov, pardon. C'est une très grosse offensive donc de l'armée russe, et donc les Allemands, à cause de cette offensive, pour se défendre mieux à l'est, ont retiré des troupes à l'ouest, c'est-à-dire Verdun, et donc ça a allégé un petit peu la pression allemande sur Verdun, ce qui a permis un peu aux Français de se débloquer un peu, mais on y reviendra encore. Donc Verdun sera donc, comme dans la Somme, une terrible leçon pour les Allemands, que certains bah, théoriciens militaires, c'est-à-dire les personnes qui font bah, les théories, c'est-à-dire enfin, les stratégies de guerre, ils sauront comprendre bah, cette leçon. Et donc, ils ont compris que l'immobilité du front, c'est-à-dire la guerre de position, ne pas bouger sur ses positions, bah, à cause de ça, c'était pour ça qu'ils avaient perdu la guerre. Donc, en gros, bah, les Allemands, grâce à leurs Panzer, qui sont des tanks motorisés de la Seconde Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale, ils vont prendre Verdun en seulement 24 heures, alors qu'en 10 mois, le temps de la bataille de Verdun, ils n'auront pas réussi à la prendre. Sachant que, bon, en 24 heures, prendre Verdun, c'est quand même. Bah, qu'ils ont bien retenu la leçon. Maintenant, on va voir pourquoi le site de Verdun est choisi par les Allemands. Donc, il est choisi pour bah, trois grandes raisons. Bah, d'abord, c'est une position stratégique importante parce que Verdun se trouve à proximité d'usine de Bue, qui est l'usine de Bue de Brière-Thionville, et du complexe ferroviaire de Metz, qui est une ville à côté de chez moi, pas très loin, qui se trouve dans la Moselle. Donc, évidemment, une usine de Bue, quelle belle aubaine. Si on la détruit, ils ne peuvent plus faire de Bue. Si on la capture, on peut se faire plus de Bue. En plus de ça, complexe ferroviaire de Metz, si on détruit les lignes, ils ne peuvent plus se ravitailler. Ou si on s'empare des lignes, encore mieux. On peut mieux se ravitailler, on peut mieux communiquer, etc. Et je vous rappelle qu'à l'époque, le train, c'était quelque chose bah, d'assez extraordinaire, et c'était, bah, je pense, le meilleur moyen de communication d'époque. Donc, évidemment, ça a une assez grosse importance, Verdun, vu qu'il se trouve à proximité de ces deux lieux, la gare de Metz et l'usine de Bue de Brière-Thionville. Pour la deuxième raison, c'est que Verdun est entouré par les forces allemandes de trois côtés. Ils réussissent à encercler Verdun de trois côtés, et en plus, les Allemands ils bénéficient d'un réseau logistique de voies ferrées performantes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de voies ferrées qui permettent aux Allemands d'encercler Verdun et se faire ravitailler assez facilement en munitions, alors que du côté français, Verdun peut être approvisionné que par une mauvaise route et une ligne de chemin de fer à voie étroite. C'est-à-dire que Verdun, ils ont une route un petit peu pourrie, ça j'ai vu ça en histoire, une route un peu en terre, un petit peu en caillou, enfin pas une très très bonne route quoi. Donc une route où c'est assez dur de circuler et une ligne de chemin de fer à voie étroite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire passer beaucoup de trains, voire quasiment aucun, d'après ce que j'avais vu en histoire, et que je me rappelle parce que oui, je l'ai fouillé dans mes manuels d'histoire, etc., pour faire cette vidéo. Donc voilà, donc évidemment, bah, les Allemands sont beaucoup mieux niveau réseau logistique, bah, ils sont beaucoup mieux que les Français, ils ont des meilleures voies de ferry, ils ont plus de routes. Côté français, bah, ils ont une vieille route et une petite voie de chemin de fer, ce qui ne leur sert pas à grand-chose. Donc oh, les Allemands savent que les Français ne peuvent pas bénéficier de beaucoup de renforts rapidement, alors que eux, oui. Donc c'est aussi pour ça qu'ils choisissent Verdun. Et la troisième grande raison, c'est que les forts du complexe défensif de Verdun, donc, que vous connaissez sûrement, qui sont le fort de Douaumont, le fort de Vaux par exemple, ah, j'ai dit deux exemples. Ils sont vétustes, donc c'est-à-dire qu'ils sont, bah, vous savez ce que dire vétustes, je pense, mais j'explique quand même. Ils sont bah, vieux, ils sont pas en très très bon état. Et Joffre, donc un général français, il a dégarni le secteur, laissant moins de 300 pièces d'artillerie et des unités à faible valeur combattante, ce qui devrait permettre aux Allemands de prendre l'avantage en première partie de bataille. Donc bah, le général Joffre, il a enlevé beaucoup de pièces d'artillerie, c'est-à-dire qu'il reste moins de 300, c'est pas beaucoup, hein, croyez-moi. Et bah, il a pas laissé beaucoup de soldats non plus. Donc bon, les Allemands, ils auront plus de facilité à le prendre. Et les Allemands sont au courant puisqu'ils ont vu toutes les petites manœuvres de l'armée française, vu qu'ils les ont espionnés pendant pas mal de mois avant le début de la bataille. Donc, on va maintenant revenir aux circonstances de la bataille. Donc déjà, le 5 août 1915, on retire les canons des forts de Verdun, car le général Joffre en a besoin pour son offensive dans la Somme. L'offensive de la Somme, la bataille de la Somme, qui est aussi une très grande bataille, qui a été faite par les Anglais et les Français, sur les Allemands, dans la Somme donc. Donc ils préparaient la bataille de la Somme, donc ils ont retiré des canons et des hommes des forts de Verdun, pour les utiliser dans la Somme pour préparer l'offensive. De plus, donc les garnisons occupant les forts sont réduites bien souvent à quelques dizaines de combattants, voire moins. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quelques dizaines de personnes, voire moins. C'est-à-dire peut-être des fois 10 personnes dans un fort, vous vous rendez compte. Le système de défense est lui aussi parfois ramené à une tranchée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est au lieu de 3. Voilà. Donc on divise par 3 le nombre de tranchées et les barbelés sont en mauvais état. C'est-à-dire que les Allemands ils passent dans les barbelés comme du beurre, ils ne sont pas très bien entretenus, etc. Donc, le général allemand qui s'appelle Falkenhayn choisit donc Verdun pour sa vulnérabilité et aussi du fait qu'il n'aura pas déplacé beaucoup de troupes. Comptant sur la supériorité allemande en artillerie lourde, ils vont employer la méthode du Trommelfeuer, roulement de tambour. Les canons ne tirent pas par salve, mais en feu à volonté, ce qui effectue un pilonnage continu. La préparation d'artillerie devrait permettre
de détruire les défenses du terrain à conquérir. C'est-à-dire que ce général, il choisit Verdun pour sa vulnérabilité. Ça, il a bien compris que Verdun était assez vulnérable compte tenu de sa vétusté et du nombre de personnes qui ont été enlevées. C'est-à-dire qu'il y a moins de soldats, moins de pièces d'artillerie. Et en plus de ça, il a un bon réseau logistique, donc il pourra déplacer facilement ses troupes et il n'aura pas besoin de déplacer beaucoup. Et il a décidé d'employer comme méthode, avec son artillerie lourde, la méthode du Trommelhoffer, c'est-à-dire qu'il tire en tir continu, c'est-à-dire que les canons ne vont pas tirer. Par exemple, à 16h, on tire 3 boulets de canon, hein, je dis n'importe quoi. À 20h, on en retire 3, etc. Ou bien un coup 3, un coup 3, non. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des obus qui tombent, tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Ils tirent tout le temps des obus sans s'arrêter. C'est-à-dire que les mecs, ils envoient nos obus, ils rechargent, ils renvoient nos obus, ils rechargent, ils envoient nos obus. Ils font que ça. Voilà, que ça. Pilonnage continu, sans s'arrêter. Donc les Allemands rassemblent face à Verdun, écoutez bien, quelques 1225 pièces d'artillerie, alors qu'en face les Français ont moins de 300 canons, hein, de tout calibre. 542 pièces d'artillerie lourde. En moyenne, on peut compter un obusier rapide de 210 mm tous les 150 mètres. Tous les 210 mm, tous les deux, tous les 150 mètres, pardon, un obusier rapide de 210 mm. Un obusier rapide de 210 mm, c'est un canon qui peut réarmer plus vite les canons, et 210 mm, c'est quand même un assez gros calibre. Donc, genre par exemple, en une seconde, vous pouvez réarmer le canon, à peu près une seconde, hein, et vous pouvez retirer un coup, le temps de le réarmer, de retirer quoi. Donc, c'est un obusier rapide. 13 obusiers Grump de 420 mm, donc 420 mm là c'est du très gros calibre. 17 obusiers Skoda de 305 mm. 2 pièces de marine de 380 mm, donc les pièces de marine c'est plus pour vraiment faire des dégâts matériels et mieux ciblés. Et alors, les munitions sont en conséquence environ 2 500 000 obus. Donc 2 500 000 obus, c'est quand même pas mal, hein, de réserve, hein, franchement, on a fait pire. Ils massent 72 bataillons d'infanterie dans des abris enterrés. Les abris enterrés sont appelés des Stollen. 72 bataillons d'infanterie. 72 bataillons. En face, les Français n'ont plus que quelques bataillons de quelques centaines de personnes qui défendent les forts. Et parfois, il y a même 50 personnes dans un fort, quoi. C'est vraiment. Alors qu'en face, ils ont 72 bataillons. Ça représente minimum 7 000 soldats. C'est quand même énorme. Donc, les Allemands ont mis le paquet, 1200 pièces d'artillerie, 72 bataillons. Surcoté toutes les pièces d'artillerie lourdes, tous les obus qui sont mis, plus de 2 500 000. Je vous répète un peu, mais voilà, pour que vous rappeliez mieux. Donc voilà, en face, les Français sont au moins de 300 pièces d'artillerie, je vous rappelle, et ils n'ont plus beaucoup d'hommes, et les forts sont vétustes, mal entretenus, ils utilisent moins de tranchées, et ils ont des barbelés vétustes. Donc là, je pense que bon, on a très bien compris que les Français, logiquement, devraient se prendre une sacrée raclée. Donc le lundi 21 février 1916, vers 7h du matin, c'est le début de l'offensive allemande. Donc là, c'est assez précis. Un déluge de fer et de feu s'abat sur un front de quelques kilomètres. Le bombardement est perçu jusque dans les Vosges à 150 km. Donc le bombardement de Verdun, le jour de la bataille, a été entendu jusque dans les Vosges, qui est aussi une région à côté de chez moi. Les Vosges, c'est des montagnes où on peut skier, qui se trouvent à 150 km de Verdun. À 150 km de Verdun, écoutez bien, on entendait les bruits des obus. C'est quand même quelque chose de fou. À 150 km, vous vous rendez compte, on entendait les explosions des obus à 150 km. Ça se fait vraiment qu'ils ont mis le paquet. Hein. 2 millions d'obus. Un obus lourd toutes les 3 secondes tombe sur les positions françaises en 2 jours. 2 millions d'obus en 2 jours et un obus lourd toutes les 3 secondes. Donc, bon, on n'a pas compté les obus légers, mais à mon avis, ça devait être 1 par seconde à peu près. Donc, ça veut dire que, bon, un obus lourd toutes les 3 secondes, ça veut dire que toutes les 3 secondes, vous comptez jusqu'à 3 et un obus lourd qui est tombé. Je sais pas si vous vous rendez compte. Essayez de compter jusqu'à 3, vous verrez que c'est vraiment très très court. Un obus toutes les 3 secondes, c'est énorme. Le fort de Douaumont, donc, qui est un des forts de Verdun, qui n'est défendu que par une soixantaine de personnes, est pris dans la soirée du 25 février 1916, donc c'est-à-dire 4 jours après le début d'attaque, ils l'ont pris le fort, quoi. Mais les Français se défendent. Parfois, par poignée d'hommes, ils réussissent à freiner l'avancée allemande et même à la stopper. Donc, les Français, assez désorganisés, leurs officiers pour la plupart sont morts. Ils se rassemblent. Avec les moyens du bord, ils prennent les munitions qui restent. Ils se planquent dans n'importe quel endroit, dans les bois, ils attendent les Allemands. Et les Allemands, ils ont bombardé le terrain à mort, donc ils ont du mal à avancer, ils avancent en colonne, tout ça. Et les Français les attendent, ils se rassemblent, ils se battent bah, comme des lions, c'est l'expression qu'ils emploient d'ailleurs sur Wikipédia. Et les Français réussissent à stopper l'armée allemande par quelques poignées d'hommes. Je vous rappelle qu'ils étaient peut-être 1 contre 10, les Français, et qu'ils avaient beaucoup moins de pièces d'artillerie. C'est quand même assez formidable. Donc ils ont freiné la progression des troupes allemandes. Le 1er juillet 1916 au matin, les Alliés ont attaqué sur la Somme. Donc 1er juillet 1916, début de la bataille de la Somme. Les Russes, en même temps, avancent sur le front oriental, c'est-à-dire bah, du côté russe, du côté ouest. Les Italiens font reculer les Autrichiens, c'est-à-dire qu'ils remontent par le sud. Les Autrichiens, que je rappelle, sont des Alliés des Allemands de la Première Guerre mondiale. Des troupes et de l'artillerie ont été prélevées sur le fort de Verdun. Ces conditions compliquent la situation du commandement allemand pour continuer les opérations à Verdun. Donc évidemment, ils ont rajouté quelques troupes et de l'artillerie sur le fort de Verdun. Ils ont réussi à envoyer quelques renforts. Donc du 21 au 24 octobre, les Français pilonnent les lignes ennemies, écrasées et gazées par des obus de 400 mm.
Les Allemands évacuent Douaumont le 23 octobre. Les batteries ennemies repérées sont détruites par l'artillerie française. Donc les Français, bah, ils leur ont rendu la monnaie de leur pièce, si j'ose dire, parce qu'ils ont fait la même chose, ils ont pilonné les Allemands, ils leur ont envoyé plein plein de buts, et donc les Allemands, bah, étaient obligés d'évacuer le fort de Douaumont le 23 octobre. Donc les Français, le 24 octobre, trois divisions françaises passent à l'attaque sur un fort de 7 km, sur un front par exemple de 7 km. Douaumont repris et 6 000 Allemands sont capturés. Voilà. Donc ils ont repris Douaumont assez facilement. Un jour après avoir fini leur pilonnage, ils ont capturé 6 000 Allemands. Donc bon, les Français ont, en 4 jours, ils ont remonté les Allemands qui depuis 8 mois, les pilonnaient. C'était quand même, c'est quand même exceptionnel. Donc le 2 novembre, le fort de Vaux, un autre fort qui avait été capturé par les Allemands, est évacué par les Allemands. À la mi-décembre, les troupes allemandes sont refoulées sur leur position de départ. Donc je rappelle que la contre-offensive des Français a commencé à partir de juillet, octobre, enfin entre juillet et octobre. Et qu'en 3-4 mois, ils ont récupéré tout le terrain que les Allemands leur avaient pris en 6 mois. Donc les Allemands sont quand même pas très très bons sur ce coup. Donc les Allemands sont refoulés sur leur position de départ à partir de la mi-décembre. Les pertes donc, dans cette guerre maintenant ont été considérables. Donc elle fit plus de 714 231 morts. Je me suis trompé, j'ai dit cette guerre, cette bataille, je voulais dire 714 231 morts, disparus ou blessés. Parce que les disparus, on ne sait pas s'ils sont morts ou pas, mais bon, logiquement, ça me semble logique qu'ils soient morts. Donc c'est quand même énormément de monde qui est mort. 362 000 soldats français, 337 000 Allemands, une moyenne de 70 000 victimes pour chacun des 10 mois de bataille. Ça veut dire qu'il y a quand même 362 000 soldats français et 330 000 Allemands qui sont morts, donc quasiment autant d'Allemands, alors que c'était eux qui étaient censés leur mettre une branlée, je vous rappelle, parce qu'ils avaient quand même 5 fois plus, non, 4 fois plus de pièces d'artillerie et à peu près 10 fois plus d'hommes. Mais c'est quand ils ont pris quasiment autant de morts et autant de dégâts matériels. Et en plus, ils ont été refoulés sur leur position de départ en quelques mois. C'est-à-dire qu'ils se sont pris une branlée monumentale quasiment, si j'ose dire, même si les pertes ont été considérables de côté, hein. 70 000 victimes par mois. Donc bon, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que tous les jours, il y avait à peu près 2 000 personnes qui mouraient. C'est quand même... c'est pas de la petite bataille. Donc la bataille, donc, elle aura coûté côté français 378 000 morts. Donc 378 000 hommes, pardon. 62 000 tués. Plus de 100 000 disparus, il y a plus de 215 000 blessés, souvent valides, et 337 000 aux Allemands, on ne connaît pas le chiffre exact pour les Allemands. Alors attention, gros chiffre, 60 millions d'obus ont été tirés pendant cette bataille, c'est une estimation, on n'est pas sûr, dont un quart des obus, 60 millions, n'ont pas explosé. Obus défectueux ou tombés à plat, c'est-à-dire que l'obus explose sur le nez s'il tombe à plat, ça ne marche pas. Donc 60 millions d'obus, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, 60 millions d'obus, c'est énorme, c'est un truc de ouf. C'est à peu près un obus par français, vous voyez, donc ils sont pas faits dans le texte, ils ont dit allez, un obus par personne, on va être gentil. Bon, même si à l'époque il n'était pas 60 millions de personnes, mais quand même, hein, 60 millions d'obus. Et en plus, le quart, donc 15 millions d'obus qu'on peut exploser. Donc je vous dis, il y avait un, tous les ans, on en trouve des obus. Donc c'est quand même énorme. Et donc, si on ramène ce chiffre à la superficie du champ de bataille, on arrive à 6 obus par mètre. 6 obus par mètre carré. C'est-à-dire que sur 1 mètre, il y a 6 obus qui sont tombés à Verdun, n'importe où. Donc c'est quand même quelque chose de ouf. Et je vous garantis que pour avoir vu Verdun, parce que j'ai visité Verdun, il n'y a rien, rien dans les forêts, rien dans les prairies, il n'y a rien qui est droit. À Verdun, vous n'avez pas un mètre carré droit. Que des bosses, que des bosses, que des bosses. Bon, évidemment, les routes, les villages, tout ont été refaits. Enfin non, il y a certains villages qui ont été rasés, qui n'ont pas du tout été refaits. Qui sont restés tels quels. Parce que bon, ça coûtait trop cher de les refaire, ou bien ça va plaire trop de mauvais souvenirs aux gens. Mais bon, évidemment, la ville de Verdun, elle a été refaite, etc. Les routes ont été refaites, mais... Il n'y a rien, je vous promets que vous allez visiter Verdun un jour, vous verrez, il n'y a rien de droit. À part les endroits qui ont été refaits et réaménagés, mais sinon, dans les forêts, les arbres ils poussent en diagonale quoi. Il y a des trous d'obus partout. Il n'y a rien qui est droit. Pour les mecs qui font du cross, c'est bonheur, je pense. Mais bon, voilà. Donc c'est vraiment assez impressionnant quand j'ai vu ça, quand je suis allé visiter Verdun il y a à peu près 2 ans. J'étais assez choqué quand même. Donc, tout cela, tous ces chiffres, tous ces morts, tous ces obus tirés, tout ça, pour un gain en territoire nul, conquis nul. Ils ont rien gagné. C'est-à-dire que les Allemands, en 6 mois, ont pris peut-être, ont gagné peut-être 2 km et ont gagné 2 forts. Et les Français, en 4 mois, ont repris les 2 forts, ont regagné les 4 000 km. Et après, ça s'est stoppé. Il n'y a plus d'avancée. Et après, bon, les Américains et les Anglais sont venus. Et grâce à la victoire de la bataille de la Somme, ils ont réussi à gagner. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que cette bataille n'a pas de conséquences fondamentales vis-à-vis du conflit de la guerre 14-18. C'est-à-dire que cette bataille, elle était emportée par les Français. Ça aurait été les Allemands qui l'auraient gagnée. Il y aurait peut-être eu des conséquences. Les Allemands auraient peut-être gagné la guerre, du coup. Mais là, sachant que les Français l'ont gagnée, il n'y a aucune conséquence, enfin, c'est pas cette bataille qui a contribué à gagner la guerre. C'est-à-dire que c'est pas parce que les Français ont gagné la bataille de Verdun que la guerre a été gagnée. Donc, tout simplement pour vous dire que cette bataille n'a servi à rien. Voilà.
Donc voilà, je pense que ce commentaire est fini. J'espère que bah, vous l'avez apprécié. On a à peu près 20 minutes de commentaire, hein. Je vais m'arrêter dans une ou deux minutes. J'espère que vous avez apprécié. Donc je commente pas hyper bien, j'essaie de faire du mieux que je peux. J'espère que lire et ensuite expliquer, ça vous a plu. Voilà, j'essaie de donner mon point de vue, etc. Bah, donc laissez un like si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et commentez. Juste avant de partir, je vais juste me présenter très vite fait pour les abonnés des chaînes communautaires. Si je passe sur une chaîne communautaire, pardon. Même si je ne suis pas un super bon commentaire, mais j'espère que bon, je serai pris vu que le sujet est assez intéressant, je pense. Et que ça pourra intéresser pas mal de monde. Si vous aimez les sorts comme moi, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Nova Executor. J'ai une chaîne de 81 abonnés. Donc, pas beaucoup. Je fais principalement des lives fun sur Call of Duty. Je fais quasiment que du Call of Duty, hein. Je fais aussi quelques petits gameplay performance. Des lives avec ma team, un peu de zombies, des lives en facecam, des facecam, c'est-à-dire des vidéos info où, bah, où j'explique les informations que je vais donner pour mes futures vidéos. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je fais sur ma chaîne. Donc si vous êtes intéressé, bah, allez vous abonner si vous êtes sur une chaîne communautaire. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous voyez pour ma première fois une vidéo de moi, bah, abonnez-vous si ça vous intéresse. Et moi, je vous dis, bah, j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, peace, salut!